Waouh. Putain, il y a. Yuma nous attend. Putain, la biatch. Je sens qu'elle va nous faire mal. J'arrête à quelle heure? Je ne sais pas du tout, Rayoun. Et passe une excellente soirée, Warrior. Et travaille bien, mec. Travaille bien. Travaille très très bien, même. Je sais pas qui c'est qui partait aussi. Donc, passe une excellente soirée. Et merci. Merci le show Faya, je crois que c'était. Pour le don de 5 Je euros, mec. m'excuse souvent pour les premières impressions laissées par Yuma. Elle a une capacité remarquable à massacrer ses premiers rendez-vous. J'adorerais que vous puissiez vous rencontrer sous de meilleurs auspices. Elle a vraiment été un élément déterminant dans la plupart de mes succès. Elle négocie les traités avec mes partenaires internationaux, elle surveille Nour et Paul, et elle trouve encore le temps de diriger mon armée. Enfin, il y a quand même cette récente obsession pour les superstitions Kirati. Elle croit que je ne sais pas pour les expéditions qu'elle a envoyées dans les montagnes à la recherche de peintures magiques ou de je ne sais quoi. Je suis aussi ouvert que n'importe qui pour permettre quelques pertes humaines et faire plaisir à mon employé. Mais quand on me pique un peu trop mes jouets, je finis par couper quelques mains. Je sens qu'on va l'entendre de plus en plus et on va l'entendre de plus en plus énervé. Ça va être bon, ça va être bon ça. Tiens, franchement, ça va être bien ça. Je vais le marquer ça. Est-ce qu'il y a marqué ça? Gang Shields. Énorme, énorme mec. J'arrêterai le live quand je serai déchargé. Voilà. Comme ça, pour toutes les personnes qui demanderont, les gars, vous savez quoi leur répondre. Mais passe une excellente soirée, Ryan. Putain, je peux pas aller plus haut quoi. Il veut pas aller plus haut le bordel. Ok, donc il faut qu'on se démerde, on y aille à pied. Poulpe, c'est le mieux payé de tous. Si vous savez ce que je lui donne à Poulpe. Merci Ryan, j'adore tes vidéos mec, continue comme ça. Merci beaucoup gros. Merci pour les petits messages que vous laissez aussi, ça fait vraiment plaisir. Il y a une personne qui a... hier quand on... Je sais plus si c'est Kevara ou quand c'est Wolf qui m'a fait le don. À partir de 50 euros en fait il y a un nouveau don, en fait il y a une nouvelle musique de don pour ceux qui ne savent pas. Et en fait les gens ils étaient morts de rire en commentaire sur YouTube, ils marquent je suis plié pour ta truc de don. C'est énorme. Je suis vraiment éditeur, un con mort de rire. J'ai mis un son, ouais, c'est vrai que il est hard le son. Mais non, mec, t'es sérieux ou quoi? Si je devais filer de la thune, franchement, j'aimerais, hein, j'aimerais le faire. Le problème, c'est que je suis pas assez rémunéré moi pour faire de pour donner de la thune à mes modos, mec. Qui sait, peut-être un jour, pourquoi pas? Mais pas pour le moment, les gars. Je le sens dans l'eau, je le sens dans la terre. Les visions ne me mentent jamais. Les visions ont parlé. Yuma, ma pauvre petite, au nom du Seigneur, tu vas mourir. Je suis désolé de te l'apprendre ainsi. C'est la vérité. En toute franchise, tu vas connaître les pires. Je dis ça en fuite. Cours, cours comme le vent. Cours jusqu'à ce que Kirat ne soit plus le. Sir Nigel. What? Sir Nigel? Nigel Nigel? Nigel Nigel, what? Oh my fucking god. What the fuck? Qu'est-ce que c'est? Wow. Elle est magnifique la statue. Pourquoi pas les gars, si j'arrive à avoir de bonnes rémunérations. Hein. J'ai trouvé qu'une seule personne dans ce pays misérable capable de traduire un sang. C'est dans mon Shangri-La. Pagan a envoyé pour me tuer? Après tout ce que j'ai fait pour lui? Avant l'arrivée de ta pute de mère, rien ne lui faisait peur.
Personne ne pouvait lui résister. Et puis ta mère... Ta mère... Elle l'a affaiblie, ramollie. Elle en a fait cette coquille vide et maniérée. Et depuis ce jour-là, ce n'est plus un roi. Il est brisé. Usé. Je me mentais. Je croyais qu'il s'arrangerait, qu'il s'en remettrait. Mais non. Ce qui est brisé reste brisé. Il est resté faible. Mais Pagan ne me brisera pas. Ce pays ne me brisera pas. Et toi? Non. Tu ne me briseras pas.
putain. On arrête de faire joujou. Shogwa. On sait tous les deux ce que tu veux vraiment. Pas de jouer au lit. Son of a bitch! Thank you.
Amita, Yuma est morte. Tu as tué le démon de Durgesh. Ne t'inquiète pas, AJ. Pagan est le prochain. Oh my god. C'était un poil chaud. C'était un poil chaud. Mort de rire. Par contre, j'ai pas compris. Yuma, d'un coup, elle a disparu. Alors, on l'a tué dans les rêves et genre. Ok. C'était un chouïa chaud. Je parlais pas parce que j'étais concentré. À la fois, j'étais émerveillé par l'endroit et tout ça, tout le délire. J'étais vraiment en kiff. Donc, du coup, j'ai préféré vous faire savourer un petit peu le délire. Sachant que je dis que de la merde et du coup vous faire un peu apprécier le délire. Salut à toutes les personnes qui viennent d'arriver, désolé si j'ai pas vu vos messages, j'étais limite un petit peu concentré et du coup c'était waouh, j'ai bien aimé le délire. Tout est écrit dans la description. TGX, tu es la troisième personne aujourd'hui qui me le demande, c'est hallucinant. Le A52, le SA. Ok, MG42, j'ai tout débloqué. D50, A99. Que du bon, j'ai l'impression. Sachant que c'est bien beau pour rigoler le SPA 12, mais on va se contenter de prendre Snipe. Par contre, c'est payant. Hein, voilà, c'est payant. Nous, on avait pris le Z93. À moins qu'on change, hein, qu'on prenne notre arme. Par exemple, un arme spéciale, j'ai pas mal de trucs que j'ai déverrouillé. Le problème, c'est que ça coûte très 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 cher. Et du coup, je n'ai plus de thunes. Parce que j'achète tout et n'importe quoi. Donc on va remettre... Non, on va rester dans SPA 12, c'est pas grave. Par contre, qu'est-ce que je pourrais améliorer d'autre? Ou qu'est-ce que je pourrais mettre comme arme? J'ai changé la mitraillette, tiens. STG 90, je l'ai pas prise encore. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? P416, F1, je crois que c'est un Rafale, je crois que c'est le FAMAS, il ressemble fortement au FAMAS. PKM, UK100, U100, pardon. Ok. Il y a pas mal d'armes, hein, il y a vraiment beaucoup d'armes. Donc j'ai moins de 200 000, d'accord. Je le saurai. J'étais bien avec la U100 en fait. On va remettre celle-ci. On va remettre celle-ci. Alors, on va regarder un petit peu. Déjà, il faut que je me remette un petit peu de soin. Hop, arme de poing. J'ai débrouillé le D50. Ok. Ok, je voulais regarder un truc. Non, pas interface. Je vais regarder au niveau de la progression des missions. J'en suis à 26 sur 32. D'accord. Donc il y a quand même pas mal de petits trucs à faire encore. Est-ce que j'ai débloqué des trucs? Non, effectivement, parce que j'ai pas fait des missions secondaires. Donc ça sert à rien. Ça y est. Je recommence à renifler. Je viens de répondre intentionnellement à ta question, Yacine. On y est presque. Je recommence à renifler, ça fait chier quoi, c'est je sais pas ce que c'est ce bordel. Ça me saoule. Ok, droit devant, il y a un paracoptère. Excusez-moi les gars. Savoir que j'ai des problèmes, je comprends pas d'où ça vient ce bordel. Oh, je comprends pas d'où ça vient. Où est la mission? La mission est là. What the fuck? Redémarre. Good night, Dooms. Salut, bon cops. Bonne nuit, Dooms. Ouais, c'est les allergies, gros. Salut, Non, soit t'es un troll, mec. Soit t'es un troll et je te bannis direct. Soit t'es pas intelligent ou t'as un souci, gros. Donc dans les deux cas, tu mérites limite le ban, frère, tu vois, je te dis. DJ Danus, je viens de le dire il y a 4 secondes. Donc soit t'es un troll, soit tu me prends pour un con, frère.
Je veux bien rigoler 5 secondes, mais après, si les gens commencent à prendre pour des cons, je bannis direct, frère. Je cherche même plus à comprendre. Salut, Xylor. J'en ai marre que les gens lisent pas la description ou qu'ils font exprès de. Salut, Kalan. Merde. Mais non, je veux pas ça, frère. Qu'est-ce que c'était ? Salut les gars. Non, il est passé où mon arme ? Ah. Wesh, gros, ça va ou quoi ? Tranquille ? Ouais, ouais, ça va, tranquille, mec. On est là, là, là. Salut Amine, je fais quoi après pour l'instant, je sais pas, peut-être du GTA 5, tiens, je sais pas. Je sais pas encore. Donc je pense que c'était bel et bien un troll, vu que le mec m'a mentionné qu'il est récupéré sur le chat. Donc je peux d'ores et déjà le ban parce que ça me saoule. Ah mais il a été ban je crois en fait, non? Non même pas. Hop, voilà. Salut DJ Senseker. Non mais c'est bon, je l'ai ban. Hé, hey, Badra. Salut. À moins que tu préfères Tarun Matara. Tu peux m'appeler Badra. Pour l'instant. Ça va pas? Celui qui prendra le temple de Jalendu sera notre chef. L'avenir du Kirat est en jeu, et je suis prise entre Amita et Sabal. Tu les as vus, tu sais comme ils sont. Amita insiste pour détruire le temple. Elle dit que ça libérera les femmes du Kirat et... que ça nous fera oublier des traditions dépassées comme la Tarun Matara. Je croyais que Tarun Matara était une bonne chose. À en croire Sabal. S'il prend le contrôle du temple, il mènera la cérémonie pour me sacrer Tarun Matara. Il dit qu'en acceptant nos traditions, on deviendra plus fort. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais? Je veux un Kirat libre. Mais je peux pas choisir moi-même. Amita et Sabal ne seront jamais d'accord, alors... C'est à toi de jouer, AJ. Tu as déjà fait beaucoup, le Sentier d'Or voudra t'écouter. Mais tu dois bien comprendre que... celui que tu soutiendras à Jalendu deviendra le leader incontesté du Sentier d'Or. Et une fois Pagan vaincu, ce sera aussi le leader du Kirat. Ok. Je crois que je sais ce qu'il me reste à faire. Merci. Elle avait de jolis yeux, la petite, hein. Elle avait de jolis yeux, la petite. Salut Sciencien ou Sciencienne. Le jeu est très très bien. La durée de vie est très très longue. Sachant que... hier j'ai fait un live de 26 heures dessus, plus ce soir, sans compter que j'ai pas encore fini toutes les missions annexes, j'ai pas fait encore tous ces camps qui étaient au-dessus. La map est très très grande, ne crois pas que là comme ça c'est petit, la map est très très grande. Ouais, je dirais, je sais pas moi, du 30 heures. Du 30 heures easy en y allant tranquille, easy franchement mec. Je pense. Sachant que beaucoup disent que en 10 heures tu finis le solo. Alors ça dépend si les mecs qui courent à tous les coins de rue, qui s'arrêtent jamais ou qui font que les missions, je ne sais pas. En tout cas, moi je sais que là ça met quand même pas mal de temps. Alors je vais aller voir Amita. Comme d'habitude les gars, je m'arrête jamais sur sa balle. Peut-être que si je le referais sur PC, je prendrais que sa balle. Là pour le coup. Salut Iniesta. Et salut à toutes les personnes qui arrivent sur le stream. Enfin, FR qui diffuse, dommage que c'est pas sur One. Mais ça change pas ça change pas chose. Peut-être pas grand chose. Ouais, que ça soit sur PS4, One ou PC, mec. Tant qu'on joue, gros, c'est l'essentiel. On s'en fout de la console. On s'en contrefiche. Encore une cinématique. Badra m'a dit que tu te préparais à détruire Jalendu. Il s'agit pas seulement de détruire le temple. Ce que je veux, c'est envoyer un message à tout le monde. C'est un grand jour pour le Kirat. C'est fini, nous ne sommes plus enchaînés au passé. Sans la Tarun Matara,
Les gens réaliseront enfin qui est vraiment Sabal. Un idiot, un simple d'esprit, un menteur qui squatte des ruines. Prends tout ce qui a de la valeur, on pourra le fondre et le revendre. Mais pour ce qui est du temple, je veux que tu le détruises. Complètement. Il n'y a pas de souci, t'inquiète, DJ Senseeker. Senseeker, même d'ailleurs. Elle est énervée, Amita. Elle est énervée. Le jeu, beau graphiquement, sur PC, il doit être magnifique. Déjà sur PS4 et sur Xbox One, je pense qu'il est, il est très joli. Moi, déjà, rien que sur PS4, il est très très beau. Sur PC, il doit être magnifique, sachant qu'il n'a pas eu d'amélioration graphique. Hein. Du moins, je n'ai pas vu d'amélioration graphique. Après, comme je vous l'ai dit, je suis sur PS4, donc je ne sais pas comment ça se passe après sur PC. Mais je pense que X le fait tourner en ultra sur PC, je pense qu'il doit baver. Je pense qu'il est très très beau déjà. Il était beau, Far Cry 3 était très très beau. Donc celui-ci doit être... il est juste beau, quoi. Il n'y a pas de... Je vous laisse contempler un petit peu le délire. Franchement, il est juste très très beau, quoi. Oui, certes, il doit avoir de l'aliasing. J'ai l'impression que les joueurs sont de plus en plus, et c'est normal hein, par rapport au prix des consoles, ils sont de plus en plus stricts par rapport à la qualité des jeux, etc. etc. Je me rappelle, il y a 3-4 ans en arrière, on s'en foutait, on jouait au jeu, on s'en foutait que genre là, le caillou soit pas bien pointu ou qu'on voit une texture qui bavait. Les gens deviennent de plus en plus indulgents. Et je peux le comprendre, hein, les consoles coûtent de plus en plus cher. Et sont de moins de la qualité. C'est vrai que des consoles, des fois, ça laisse un petit peu à désirer, sachant que moi, au niveau PS4, j'ai rien à redire à la console, même si je trouve que des fois, elle me dit des petits soucis. J'ai la manette, j'ai déjà le joystick qui se décolle et tout. Ça fait un petit peu chier, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, il y a... T'es sérieux, il est juste là? Ok, neg. Il me voit pas, t'es sérieux? €400 ça pique, c'est limite, que ça critique. Ouais, tu dis ça, mec, mais 400 € pour un PC, c'est rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? 400 € c'est rien du tout. Hein. Et comme je joue plus sur PC, personnellement. D'ailleurs, j'espère qu'on arrivera à l'objectif, l'équipe. Hein, on arrivera à l'objectif PC. Ah, trop bien, vous êtes combien, les gars? Salut, Magic Taugé. Je comprends pas, on est combien, quoi? Je me tâte Far Cry ou GTA, conseil, para. Attends. Trouve et sécurise le coffre qui contient l'or. Si tu as besoin d'un coup de main, les guerriers du Sentier d'Or sont prêts à t'aider. Des hommes de confiance. Merci, Amita. Arrête-toi. Nice shoot. Nice. Oh 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 oh. Putain, il est fort, ce con. Ah, il est très très fort. Putain, laisse-moi tranquille, GTA 5 ou Far Cry, le choix est très difficile. Vous m'embêtez, en fait, avec vos choix, les gars. J'arrive pas. Je suis pareil que vous, en fait. Hein. Je suis fan de pas mal de jeux. Vous l'avez vu ou pas? Vous l'avez pas vu? Moi, je l'ai vu. Je l'avais vu, le chacal. Je croyais que je l'avais pas vu.